Soit voilà.
back some kisha ujim. Eh bien, mes amis, la technologie a bluffé net de la game matin. En tout cas, j'aime dire non, Trinidad a marqué à Trinidad, c'est la Caraïbe qui a accueilli l'événement qui a marqué 50e anniversaire et 50e anniversaire création et marché commun Caraïbe là. Donc, le premier ministre Henri là, le secrétaire général de la Nations Unies, Antonio Guterres, qui m'a demandé pour que la communauté internationale ait une obligation morale pour aider les peuples haïtiens, pour aider Haïti à résoudre le problème. En parlant de, je parle de l'autre pays, je parle de membres à Comontana, eux-mêmes qui en faveur pour gagner un gouvernement à deux têtes, donc un bon premier ministre avec un gouvernement, un bon premier ministre avec un président. Mais même livré au conseil présidentiel, qui a bien 5 membres là-dedans, et il a désigné exactement. Merci un peu, les gentils. Moi, je suis gentil, marché saute bien loin là pour le Vindim, que nous attendons assez. Moi-même, mon soleil qui est dans le gym là, je ne sais pas encore qui ça nous écrit. Donc, de sorte que je suis perdu, je ne sais pas que. Là, nous te dit que là, je bon, parce que je suis bon, oui, mais je ne sais pas marcher. C'est bien fait la technologie, et puis je retourne dans le petit à filmer. De sorte que je ne pas perdu rien, aucun son. Donc, en tant que Guterres dit que c'est obligation. Mais en Montana, lui-même, il voulait qu'on achète ou bien on reconseille de transition avec 5 membres là-dedans, qui ont intercédé dans le président, et puis il y a un autre qui a un pouvoir beaucoup plus élargi. C'est ça que Montana lui-même voulait lui-même. Mais supporter à 21 décembre, donc par exemple, premier ministre Ariel Henry, et supporter ça, à quoi ça, lui-même, il voulait pour gagner un gouvernement. Qui lui-même son gouvernement, un gouvernement en tête, qui a bon premier ministre comme chef, mais pour que le pouvoir à CTA les limiter. Les limiter, il n'y a pas de café, il s'est mis là en tant que comme une instance. Conseil, j'en ai connu là, comme ça que vous avez connu. Donc, pas grand-chose qui tourne bah, donc, je suis obligé de reprendre pour nous très rapidement ça que moi j'ai dit, et puis je dis que le gouvernement a décrété et vendredi 7 juillet, comme un jour. Le deuil, jour national, le deuil, côté que pas bien musique, pas bien aucun rien. Et dans l'occasion, il y a plusieurs supporters et deux fins présidents, Joël Mourieux, il y a organisé une manifestation dans la ville Cap-Haïtien. Et il y a ensuite, il y a une messe, après une messe d'action de gaz qui a chanté. Après ça, il y a une manifestation dans la ville, là, une manifestation pacifique. D'après ça, il dit, mais parallèlement avec ça, il y a la famille Jovenel. Et avec Jovenel Moïse qui est en tête, et même il était sorti. Jovenel Moïse lui-même était sorti, même un note de presse, où il était dit qu'il était demandé pour ne pas faire rien dans nos papas, et qu'il y a même une cérémonie privée pour papa, il n'y a pas de monde venu, aucun monde venu assister, pour ce, alors que le monde s'attaque pour lui, avec ça qui est passé le 7 juillet 2021. Les date président Jovenel Moïse était assassiné. Donc c'était pour 7 juillet. Et puis, ça m'a dit non là encore là. Et donc, je parle de président dominicain Luis Abinadel, il s'appelle appel expert droit de l'homme Nations Unies, William O'Neill, qui a lancé la République dominicaine pour te suspendre, déporter haïtien. Le président Abinadel répond pour dire que lui-même, il n'est pas le monde qui est responsable. Pour aider haïtiens à résoudre le problème, et lui-même n'est pas responsable de ce qui a passé. Et que même tout simplement, il va appliquer la loi dans le pays. Il va appliquer ça, la loi sur l'immigration, ça veut dire que tout haïtien, ou tout étranger qui rejoint, qui a vu dans le pays en situation irrégulière, eh bien, il n'a pas hésité, et bien, il a déporté au voyage dans le pays. Et dernièrement, il a déporté un groupe haïtien, puis là, il a déporté un groupe américain qui a vu dans le pays. Dans conditions irrégulières. Et puis, nous disons que Madame ministre des Affaires étrangères du Canada, la communauté haïtienne en Ottawa, ça fait demain, jeudi 6 juillet, pour discuter de la situation de la crise haïtienne. Mais de toute façon, que
et Canada capable aider dans les sujets ça. Parce que avant comme ça, Canada a déjà fait plusieurs rencontres avec la République dominicaine sous dossier Sila. Il y a un préfectoire avec le président brésilien Luiz Ignacio da Silva sous dossier Sila pour lui parler de ce sujet-là. Et puis pour parler de façon que Canada est capable de résoudre. Mais entre-temps, le secrétaire général de la Nations Unies a demandé pour qu'un des pays volontaires pour mettre sous pied une force robuste qui pour aller en Haïti, à l'autre avec le président national là pour combattre le gang, pour qu'il construise une élection et pour qu'il institution capable de retourner dans la place. Et puis dans la Coupe de CONCACAF là, je n'ai pas parlé de ça. Et après l'élimination d'Haïti, bon, maintenant c'est l'histoire. Et l'équipe qui était dans la compétition, donc au moins nous connaissons les cas africains et pays qui ont participé dans le quart de finale là. Le quart de finale qui a commencé samedi. Donc pratiquement toute équipe qui l'a reconnaît, toute équipe qui a dégagé, retourné la carrière, c'est de vous perdre dans la phase de groupe là. Et vous n'avez pas gagné pour faire dans le pays, c'est retourner la carrière. Vous arrêtez, si vous voulez, si vous avez l'argent, pas pour payer. Et vous pouvez toujours aller dans le match, comme vous avez une accréditation, mais vous n'êtes pas capable. Et vous ne pouvez pas payer au tête pour vous pas manger non plus tout, donc vous pouvez capable de dépenser propre l'argent, payer au tel ou manger à comport ou ne pas responsable encore. Ça c'est pour un cas que mon joueur était a décidé et rester encore et dans le pays. Et bien on a dit que samedi 8, c'est une belle rencontre qui va gagner entre Mexique avec Costa Rica. Deux équipes qui connaissent une autre. Le DPC a déjà rencontré déjà en plusieurs occasions dans le match éliminatoire de la Coupe du Monde. Et puis c'est dans d'autres compétitions, mais pas ça, c'est un jeu à pied pour Mexique avec l'équipe Costa Rica. Et puis il y a Qatar qui s'est plutôt une grande révélation, tout le monde avance. C'est moi-même qui suis dans la zone. Son équipe était venue dans le tournoi à cause. Et comme invité spécial, il y a Qatar lui-même qui a rencontré avec Panama. Donc Panama finit premier en Guinée et Qatar finit deuxième. Donc Panama et Qatar. Et puis il y a dimanche. C'est un bel match tout, match à jouer dans Cincinnati et dans l'État Ohio. Ce match probablement et veut accueillir à garder pour le site qu'à présent. Et présent parce que c'est l'équipe Caraïbe là qui était dans la compétition, c'est Jamaïque. Qui était dans la compétition après la toute la compétition de gagner éliminé. Et bien, il y a un match Guatemala contre Jamaïque. Et match à jouer à 5h. Dans l'après-midi, ça m'a pas une coupe dimanche. Et puis, il y a un tour. Deux voisins d'Amérique du Nord, on a parlé de Canada avec les États-Unis et l'équipe s'est rencontrée, on a parlé que les États-Unis et dernièrement on a calé Canada. Donc c'est des équipes qui peuvent jouer à Canada de notre côté, mais quand même, c'est deux voisins qui sont capables de faire tout. Donc on a regardé aussi au moins que nous sommes capables. Et puis voilà, je crois que c'est l'âme quand même pour nous parce que et le fait qu'elle a campé là, elle ne fait pas qu'à parler avec nous, avec Nico. Alors que le micro, même si je devais servir avec le micro sans fil là, je me suis dit que si elle marchait bien, je disais qu'elle ne pas marcher. Et je me dis que je disais nous avons une présentation du journal Radio sur télévision, nous avons une pile nouvelle pour vous. C'est Jacques qui a présenté nous, et puis nous avons une information qui a sorti Miami, nous avons une information qui a sorti Palm Beach, nous avons une information qui a sorti New York, et puis moi-même, m'a font parler nous de sommet et nous avant-goût de sommet et l'OTAN qui vient pour dérouler dans Vilnius en Lituanie. On va parler de tout ça et puis m'a souhaité une bonne fin de journée. Na encore. Bye bye tout le monde.